Bonjour, je m'appelle Wilfried Soufir, je suis artiste peintre. J'ai commencé mon activité comme architecte dans le bâtiment pendant une vingtaine d'années pour des groupes de la distribution du médical et une passion pour la peinture et l'art en général. À partir de là, j'ai décidé de m'y mettre et tout doucement, j'ai découvert cet univers qui est celui du milieu artistique au travers des expositions, de cinéma, de rencontres, de musique. De là, je suis parti sur une recherche graphique, travail à l'huile sur des paysages, des personnages, travail à l'acrylique sur des thèmes qui étaient liés au pin-up. Et donc, vous avez une représentation, une partie du travail qui est sur l'univers de la femme au niveau de la sensualité, de l'érotisme, mais qui était aussi une découverte peut-être de la femme sous des formes cachées, celles qu'on ne voit pas, celles qu'elle ne veut pas montrer ou qu'on peut fantasmer ou rêver, mais qui a une certaine beauté. Et puis progressivement, de ce travail et de ces rencontres qui m'ont permis de faire des salons, je suis parti sur une thématique qui est beaucoup plus, j'irais, dans l'esprit vintage et la mécanique. Et donc, j'ai essayé de transcrire à la fois cet univers qui est dédié au univers des motards, mais des femmes, et qui savent aussi partager leur passion, comme on peut le voir sur certains tableaux. Donc, aujourd'hui, la thématique, elle est plutôt sur des portraits, des grands portraits, que vous avez là, sur alors une reprise un petit peu d'Andy Warhol, parce que ça fait toujours plaisir de revoir des classiques et autres, mais en même temps, il y a cette volonté de mettre en avant peut-être au travers du regard, des traits de personnes qui ont quelque chose, qui ont une âme, qui ont des sentiments, des sensations, une sensualité. Et c'est prendre ce moment qui est parfois un instinct très rapide et essayer de le transcrire au travers de la peinture. Voilà. Et je suis ravi aujourd'hui, au travers de cet espace qui nous est mis à disposition, de vous présenter mes œuvres. Et voilà. L'Amérique, alors oui, l'Amérique, mais je dirais qu'il n'y a pas que l'Amérique. L'Amérique est récente. Si on reprend l'histoire de l'art, on peut partir sur le Moyen-Âge jusqu'à l'art contemporain. Voilà. Ce qui fait que toutes les périodes m'intéressent, tous les peintres. Et il y a des œuvres qui sont peut-être plus importantes, comme le 16e, 17e, et puis revenir sur le 19e et le 20e avec l'art, le pop art et autres. Univers plus peut-être, effectivement, comme vous disiez, sur le thème américain, qui me plaît beaucoup, pour y avoir été et pour apprécier cet univers-là. Voilà. Alors, les expositions, j'ai envie de dire, plus j'en fais, c'est une bonne chose, mais à la fois, il faut les sélectionner en fonction un petit peu de la thématique qui est proposée. Donc, quand on me contacte, on me demande si je veux bien participer, parce qu'il y a un thème qui est dédié à l'art du nu, au portrait, à la mécanique. Donc j'essaye effectivement de proposer des tableaux sur ces thèmes-là. Voilà, donc quelques expositions au cours de l'année se font sur la France et un petit peu en Suisse. Alors, dernière question, est-ce que c'est difficile de créer ? Est-ce que c'est quelque chose de naturel chez vous ou c'est dans la douleur ? Ah, ça c'est la bonne question que tout le monde voudrait avoir la réponse. J'ai envie de dire modestement, rien n'est facile, tout se travaille, mais il faut le faire avec passion et amour. Et on arrive à des choses extraordinaires, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et d'abstinence sur beaucoup de choses. Mais c'est un travail qui est constant, on ne peut pas arrêter, c'est comme une composition, c'est comme une œuvre pour laquelle on se consacre. C'est inépuisable, le sujet est inépuisable et on pourrait le décliner sous toutes les formes. Alors à un moment donné, il faut être pragmatique et dire qu'est-ce qu'on veut faire, comment attaquer le sujet, comment le travailler, le représenter. Si on pouvait, on travaillerait beaucoup plus, c'est-à-dire sans compter, mais à un moment donné, il faut s'arrêter parce qu'il y a la fatigue, il y a beaucoup de choses, mais le plaisir, c'est de peindre. Si on veut suivre votre actualité, vous avez un site internet ? Oui, aujourd'hui, j'ai un site internet qui est www.wilfried66.com et par la suite il va évoluer bien évidemment parce que mon nom de famille c'est Wilfried Soufir et que vous pouvez découvrir aussi bien sur Facebook et Instagram. Je vous remercie, à très bientôt.